informé, même si ce n'est pas beaucoup de jours ou de choses, mais ils ont informé. Encore, on a senti qu'au niveau de Bambéton, on va faire une pont là-bas. Maintenant, ici, si on fait le pont là-bas, il faut qu'on prépare certains quartiers, là où les gens peuvent aller sans bloquer, sans, comment on appelle, pour arriver à leur travail. Parce que là, au monde ou au capital, c'est le travail. Même si c'est petit, mais c'est le travail. Même si tu travailles, tu gagnes un peu, mais il faut que tu vas. La vie, c'est comme ça. Ça, encore, ça va finir. C'est le travail qui fait le développement. D'après mes informations sur le long de la route auquel il était informé, c'est le jour auquel il était venu entamer les travaux. Donc c'est passé sur le guide, c'est lui qui était avec la machine. Donc il est venu dire vraiment qu'ils viendront travailler ici, donc de fermer, d'arranger, de plier bagages. Donc de prendre clic et clac, de regarder tous ceux qui, tous ceux dont on ne peut pas être sans avec ça dans nos activités ou dans nos business, de prendre ça au moins et ranger et envoyer à la maison. Ils vont entamer les travaux aujourd'hui, donc personne n'était informé. Voilà, ils sont venus, ils ont commencé les travaux. Finalement, tout le monde était ébahi, était vraiment déboussolé. Parce qu'en plein mois de Ramadan, pendant que les gens étaient là à chercher le quotidien pour pouvoir subvenir au moins les besoins de la famille, si on vient vraiment t'enlever, c'est là où tu gagnes ton plein quotidien, ça devient vraiment très difficile. Quoi. Donc c'est une information qui a pour tout le monde en cours. Et là, les gens sont désemparés. Malgré que c'est une bonne chose, parce que ça fait partie du développement, donc la route qui était là a été dégradée, mais la manière de faire vraiment, c'est ce qui fait mal. La manière de faire vaut mieux ce qu'on fait. Nous pensons que ça, la sensibilisation ou l'information devrait passer plus tôt, même si c'est une semaine à l'avance, pour que les gens au moins puissent prendre des dispositions. Vous comprenez? Ou bien attendre au moins après le Ramadan. Parce que pendant ce Ramadan-là, vraiment, la vie est très dure, non seulement, mais aussi chacun se débrouille ici dans son coin pour pouvoir trouver le besoin quotidien de sa famille. Maintenant, si on vient sans préavis, sans information, dire vraiment plier bagage, vraiment nous verrons travailler. Vous comprenez? Vous voyez, ça fait mal. Donc après, ils viennent maintenant, on voit l'état de la route. Et les gens circulent difficilement, les gens presque ne viennent plus. Vous voyez? Donc, c'est quand il y a la circulation, c'est quand les gens passent par là, que vraiment, parce qu'il y en a qui quittent loin. Celui qui quittent loin, il emprunte des taxis motards. Comme ici, il n'y a pas d'accès par là, ils vont contourner. Et s'ils contournent vraiment tous les clients qui devraient passer par là et s'approvisionner à notre niveau, ils vont s'approvisionner ailleurs. Finalement, nous allons rester ici, même vide et bouche bée. Finalement, on n'aura qu'un yeux pour pleurer. Je ne pense pas s'il y a un appel qu'on peut lancer maintenant, là, sauf se remettre au bon Dieu. Donc, le demander encore de nous aider à avoir une alternative, quand même, nous permettant de subvenir à nos besoins. Parce que je pense bien, si il y avait une possibilité de lancer un appel, c'était d'abord de venir nous informer à temps. Là, on pouvait vraiment les supplier, voir si l'appel allait être entendu, pour qu'on laisse au moins jusqu'aux les dix derniers jours au moins. Après ça, maintenant, ils lancent les travaux. Il se trouvera que là, chacun a pu au moins s'en sortir avec le mois de Ramadan. Mais maintenant, là, on n'a que nous aider pour pleurer, et on n'a que Dieu comme secours. Vraiment, on prie Dieu quand même qu'il nous aide, et que les travaux ne perdurent pas. Pourquoi quand même qu'ils viennent juste déranger les gens et entamer les travaux et laisser ici, comme nous connaissons de par le passé, ce que cela a donné. Vraiment, on sait quand même que les travaux s'accélèrent, qu'au moins qu'ils respectent le délai. Et que ici, plus tard, dans un mois, deux mois au moins, il faut remettre la route aux usagers et que vraiment la circulation reprenne de manière la plus belle. Je suis l'entrepreneur de profession. Voilà, aussi je suis un commerçant, je me débrouille dans l'endroit là où on fait l'essentiel de Bambéton. Bien sûr, ça a un grand impact. Parce
que lorsqu'ils commenceront les projets ici, rien ne marchera. Rien, parce que tout ça, ça sera clôturé. Ça va impacter complètement. On ne sait plus comment on va faire. Un sentiment d'abord, oui, c'est bon parce que d'abord, faire développer notre pays, c'est bon pour nous tous. Parce que c'est ça que nous souhaitons. C'est des bonnes idées pour notre pays. Mais le problème, c'est seulement qu'il y a trop de chômage. Trop de chômage. Voilà. Vous savez, en tant qu'un père de famille dans notre pays, là où tu débrouilles, on te gère, et tu ne sais plus où partir, là où tu gagnes, tu peux escorter tes enfants, mais enfin, tu n'arrives pas à gagner. Tout à fait difficile, vous voyez. C'est l'État qui peut nous aider, parce que on n'a pas autrement ici, sauf ça. Parce qu'on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas. On peut rien dire, quoi. On ne peut rien faire. Seulement, nous sommes très gérés pour le l'essentiel, mais seulement, ça nous impacte complètement.